Salut à tous les glitchers, c'est Youssouf. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le glitch qui permettra de réinitialiser vos stats en tant que l'emblème, vos éliminations. Donc vraiment un glitch qui va être très très utile pour ceux qui ont fait la duplication et qui ont peur de se faire bannir. Donc je vais vous montrer vite fait ça, c'est vraiment très très simple et ce tutoriel marche sur Xbox 360 et sur PS3. Donc comme ça il n'y aura pas de jaloux entre, entre joueurs de PS3 et joueurs d'Xbox. Donc comme vous voyez ici, vous voyez mes stats actuelles. Donc pour faire ce tutoriel, vous allez déjà commencer à faire rond, revenir au menu principal. Donc vous allez vous déconnecter. Voilà, avec triangle déconnexion et sur Xbox vous faites pareil. Et une fois déconnecté, vous allez aller en local. Donc une fois que vous êtes dans la fenêtre où vous choisissez les maps entre Nocturne et l'autre, vous allez faire rond et vous allez mettre le curseur sur oui. Donc une fois que vous avez mis le curseur sur oui, vous allez vous reconnecter via le menu. Donc vous faites le menu PS ou le menu Xbox et vous reconnectez. Donc ça va mettre un peu de temps, ce qui est un peu normal car en fait ça va faire une petite faille en fait chez les serveurs d'Activision. Donc une fois que vous êtes reconnecté, la fenêtre va disparaître automatiquement et vous allez faire rond et vous allez quitter. Et normalement, une fois que vous avez quitté, vous allez recevoir un petit message en vous disant vos stats ont été bien réinitialisés. Donc on va vérifier ça tout de suite. On fait jouer en ligne et normalement vous allez voir ici que j'ai été le grade le plus nul quoi, là, avec l'os en diagonale. Donc voilà, ça va être vraiment un glitch très très sympa à faire. Donc c'est un peu dommage que Triarch n'ont pas mis ça dans le menu casier, car c'est vraiment dommage, il faudra obligé passer par ma manipulation. Donc j'espère que ce glitch vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Donc au passage je voulais remercier Cambos Pro de m'avoir fait ces magnifiques intros, franchement un très très bon VFX que je recommande à vraiment à tout le monde, donc je mettrai sa chaîne dans la description. Donc voilà, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.